Première S, scientifique. Et tant mieux, parce que donc ma première au lycée Anne-Marie Javoué s'est très bien passée. Nous formions un groupe classe très solidaire et surtout nous étions accompagnés de professeurs qui nous encourageaient à vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Donc ça a été une très belle année, surtout celle de première. Et je vous avouerai qu'elle était cette année fut si riche qu'elle m'a permis de renouer avec une passion que j'avais commencé à développer en quatrième, précisément une passion pour la langue espagnole, et une passion qui a été nourrie, on va dire, grâce à l'époque à mon professeur d'espagnol de l'époque, qui est encore professeur aujourd'hui, Monsieur Roger, et qui a donc cette passion a donc tout désorganisé entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai dû repenser mon projet à cette époque-là, hein, repenser mon projet professionnel et me réorienter vers des études littéraires et notamment en langue espagnole. Et je vous avouerai que cela n'a pas été facile. En effet, on conseillait à cette époque aux élèves ayant obtenu un baccalauréat technologique de poursuivre ben, soit en BTS, brevet de technicien supérieur, soit en DUT, en préparant un diplôme universitaire de technologie. Donc, et non de poursuivre à l'université. Donc j'ai dû batailler, je suis tout de même allée à la fac, hein. J'ai dû donc préparer une licence LLCE, langue, littérature, civilisation espagnole. Et j'ai dû me battre, notamment pour le concours, hein, pour la préparation et pour l'obtention du concours après le master. Et je suis aujourd'hui professeure d'espagnol et je remercie vraiment le lycée, les professeurs du lycée d'Anne-Marie Javoué qui nous ont donné cette capacité à croire en nous-mêmes et à ne pas baisser les bras. Surtout face aux difficultés. Donc voilà, je souhaitais vous parler de ce que j'ai pu vivre au lycée Anne-Marie Javoué et de ce que ça m'a apporté au niveau scolaire et au niveau professionnel et la capacité de se battre notamment. Voilà, je vous remercie. Au revoir.